Oh qu'il est beau ce scorpion. Hop là, dans la main tranquillement. Vous allez me dire que le meilleur moyen de neutraliser un scorpion, eh ben, c'est de le faire se suicider. Mais d'où ça vient? Eh ben, je vais vous apprendre qu'il y a une légende urbaine, qui dit que si vous entourez un scorpion dans un cercle de feu, il est tellement pris au piège que tout de suite il va se dire tiens, je vais me suicider. Comment et pourquoi? Il faut savoir que tout de suite, ce truc-là, c'est faux. Ce qui se passe en réalité, c'est que si tu mets un scorpion dans un cercle de feu, la température est tellement élevée, comme c'est un invertébré et qu'en plus c'est un arthropode, c'est-à-dire que son squelette il est externe, eh ben ça fait comme une boîte. Sauf que quand tu augmentes la pression dans une boîte, eh ben au bout d'un moment, ça comprime tous les organes qu'il y a à l'intérieur. Et donc en fait, ça le fait convulser. Et ces convulsions entraînent des mouvements de queue qui donnent l'impression que le scorpion se pique lui-même. Mais non, le scorpion était tout simplement en train de cramer sur place. Donc non, je vous rassure, les scorpions ne se suicident pas quand ils sont pris au piège dans du feu. T'es curieux ou curieuse? Alors abonne-toi si tu veux en savoir plus sur nos petites bêtes.